Salut à tous et toutes. Allez, il est temps de s'occuper des couteaux des gagnants de la tombola. Donc là, je vais faire les deux petits lots de consolation. Donc je vais faire simple parce que j'ai pas mal de choses à faire. Ça va être une reproduction de mon modèle qui, moi, me va bien. Donc la barre d'acier est là. Je vais me la reproduire tout simplement dedans. Je vais le détourer au marqueur et puis je vais découper et puis ça sera parti. Comme j'ai pas envie de poncer pendant 3 heures, j'ai juste poncé au 120. Donc le rendu est correct, on va dire. Ça va être correct. Mais pour me rattraper, je vais vous faire un petit guillochage sur le dos là. Donc je vais le faire, je pense, sur l'avant. Comme ça, quand vous le tiendrez, comme ça,
quand vous tiendrez votre couteau comme ça là, bah du coup vous verrez toujours un peu le guillochage ici. Donc je vais vous faire quelques traits ici pour me rattraper. Voilà, on va faire comme ça. Et puis je vous fais une petite surprise. Là. Voilà, la petite vidéo touche à sa fin. Donc Vince et Big Toff, Christophe, voici vos couteaux avec une petite personnalisation. I love RC. Voilà, petit délire. Donc là, le 28, donc celui-ci, il sera pour Vince parce que c'est le premier que j'ai tiré au sort sur le tirage au lot de consolation. Donc ça sera le numéro 28, c'est pour toi. Et pour Big Toff, I love RC également, avec le petit guillochage, donc toi ça sera arrondi, le numéro 29. Et donc maintenant je vais m'attaquer au couteau de Kevin, donc le gagnant du premier lot, du couteau de son choix, pour le numéro 30. Ça sera mon 30e couteau et je pense que ça sera pas des moindres. Je risque d'y passer pas mal d'heures. Merci Kevin. Allez, à bientôt pour le prochain couteau. Salut à tous et toutes, à bientôt.